Donc voilà, on est parti, il est 9h47, on est à Fal. Voilà encore une belle journée. Pour une journée de 40 km. Quand le soleil brille dès le matin, la journée s'annonce parfaitement bien. Victor marche bien là. Madame le maire est déjà au travail. Et voilà Ron avec ses caisses au trot. Les artisans exposent leur attirail. C'est merveilleux de vivre à Bonneville. Alors demander mieux serait très difficile. Plein de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un cœur tendre mais pas bien complexe. Un peu de magie et c'est parti. Du monde se connaît. L'amitié et la magie qui nous unit. Donc voilà, il est 13h10 je crois, on est encore à cheval, on va s'arrêter d'ici 20 minutes et on redémarra vers 16h au moment où ce sera un petit peu plus frais. Et là les mulets se sont calmés, ce matin c'était la gaieté totale et là ben, tout le monde se tient à carreau, c'est nickel. Voilà, dans Saint-Riquier, la allez, go. Regarde tes pieds. Ouais, c'est la maison de Napoléon. Mais c'est pas la maison que Napoléon a vécu, c'est un passionné. Voilà. Bon bah même s'il pleut pas depuis des mois ici c'est toujours de la boue quoi. Bon vous louchez pas et ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté, il a fait ça. Ouais. Alors je vous rassure, on est sur un GR, c'est pour ça qu'on est plié en deux. Parce que les GR en France, c'est fait que pour les gens à pied, pas à cheval. Ils peuvent jamais qu'on est plus haut. Et Fury, 1m70, bon courage. Moi ça va. J'ai un petit poney, je suis bien. Ah ouais, faut pas avoir des grands chevaux. Cool. Après les branches basses, les ronces. Voilà ce qu'il faut. Ah oui, les GR par ici, c'est vachement bien. Mais bon, c'est quand même mieux que la route goudronnée sur 8 km en bas qu'ils ont goudronné. Donc la traversée du Pontieu.
qu'ils ont goudronné pour pouvoir faire du vélo dans toute l'Europe sans danger. Donc voilà, au début, on va y arriver. Merci, oui. Ok, d'accord, super. Ouais, d'accord, pas de soucis. Allez, Blaye, tu peux rentrer dans la pâture, tu peux arriver à faire quelques pas. Hé, hey, tu peux avancer, Blaye. Merde, on n'est pas dans le couloir. Allez, merde, vas-y, avance. Oh, t'es chiant. Faut le temps que tu te réveilles, hein. Oh. Il s'arrête, hein. De la porte de la pâture, non, il n'y a pas. Voilà, il y a une vache qui l'a mis. Oh, elle est trop drôle. Ouais. Je crois qu'on va l'emmener demain. Ouais. Oh, oui, voilà. Ça, c'est Rector. Hein. Voilà. Bien reniflé. Oui, bah. T'as vu comment moi. Je fais, hein, je te préviens, mais franchement, tu ne m'embêtes pas. Hein. Non, tu vois, tous les autres sont partis au galop, mais... Ah oh, merde, je ne l'avais pas vu. Et Blythorn, lui, toujours imperturbable. Pourquoi vous partez au galop? C'est que des vaches. Allez, 10h30 à peu près, on est à cheval. Donc nous voilà partis en direction d'Abbeville. Voilà, tout le monde est là. Et donc... Nous avons à la place de Sophie, Leslie sur Moki, Colline a pris Gandalf, Cyrine est sur Fury et Léa sur Perle. Donc aujourd'hui on n'a pas une grosse, un gros parcours, on a à peu près 29 km, donc ça devra aller, donc c'est bien. Mais comme de toute façon Blaye est toujours aussi calme, on ne risque pas d'être emballé. Hein. Donc, traversée d'Abbeville à cheval. Donc là, on a attaché nos deux mulets. Donc Ron tenu par Gandalf et forcément Vulcan tenu par Perle. Dans les bruits sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les bruits, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Donc là, on va quitter le canal pour rejoindre l'intérieur des terres. Est à peu près 5 km de Saint-Valery-sur-Somme. C'est quoi qui fait comme bruit? Tu vois, c'est passé. Eh ouais, monsieur, il a fallu descendre. Thank you.
refais nous, nous là. Ah ouais, non, c'est trop beau. Maintenant j'arrive au sentier du cœur. Regardez comment je cours. Quoi comme film? Je vous mets quoi à la télé? Spirit! Vous voulez des crêpes? Bah ça oui.
Besançon. Ah oh bah en plus il y a un banc, c'est nickel. Hop, vous allez pouvoir grimper sur le banc. Putain du cerveau. Elle m'a pas suivi, elle veut pas rester avec moi, je crois. Forcément, je m'en doutais bien. Mais pourquoi ? Bonsoir. Voilà, pas mal, pas mal, pas mal. Prenez les escaliers, sinon ça va être le bordel. Voilà. Si monsieur se tient pas. Le bordel. Donc je veux pas te lâcher quoi. Regarde tes pieds. Quand on sera sur le bitume. Il y a le rembourrage, ouais. Et bon, je peux tout lâcher, genre. Et t'as vu, il a des coups de soleil, même au kiki, entre les jambes. J'ai jamais vu ça, moi. Ça fait de la grande mer, ça. C'est fou. Parce que là... Puis là, comme il est... Je sais pas comment il prend l'air au coup de soleil. Le problème, c'est que comme il est en bas, il y a personne qui peut l'empêcher de en manger. Bon, allez, c'est pas que... Ah ouais. Ça y est là. Ça va là, t'es bien hydraté? C'est bon?
lui. C'est un âne comme ça, c'est peut-être un âne de Bretagne, je sais pas quoi, mais un provincial, c'est comme ça dedans. Là, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, après on fait une toilette, on viendra voir et puis on verra si on est au bout. Je veux au moins qu'ils boivent tout ce que j'ai mis en produit. Parce que là, hier, ils n'ont pas fait. Ils ont pas tout bu hier. Ils ont bu. Ah, non. Oh. Je sors de l'air entre les conneries. Parce que je le vois bien. Hein. Ouais, je sais pas, je le vois bien. Petit Donc là voilà, il est 10h15, on est à cheval, on est nickel, on a dormi nickel, avec des gens super charmants, franchement, la main sur le cœur, comme d'habitude, on trouve toujours, ça fait plaisir de voir des gens vraiment respectables dans ce monde où beaucoup de gens maintenant ont un système, ils payent un service, ils doivent obtenir, voilà. La main sur le cœur, comme d'habitude, c'est, ça fait du bien. Voilà ce que j'adore, cette forêt immense, magique, magnifique. Donc voilà, les premières descentes. Regarde où tu vas. Merci. Mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Alors, il y a des chevaux qui vont descendre en zigzag. Vous inquiétez pas, c'est normal. Ils savent que descendre en ligne droite, c'est dangereux. Donc ils vont zigzaguer. Yep, hey. Allez. Hey, hey. Hey. Yep, hey. Hey. Allez. Allez. Allez, encore jusqu'en haut. Pour un moment. Ah ouais. Là. J'ai perdu ma casquette. Tu vois, je peux aller la chercher après ou pas ? Qui ça ? Ma casquette. Qui ça ? Ma casquette. Ah, t'as perdu, ouais. J'ai compris qu'il y avait quelqu'un. Ouais, ouais, tu peux redescendre. Mais gardez des distances entre chaque cheval. Allez, allez, yep, allez, 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 allez.
Allez, allez mon gros, allez, vas-y, c'est bien, vas-y, 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 c'est bien mon gros, vas-y, c'est bien, allez. Ouais, vous attendez, attendez, attendez les autres, vous allez être coincés par Anne. Vous engagez pas, vous êtes engagé, coincé par Run. Faut attendre plus longtemps que ça. Allez. Ouais, tu... ouais, mais les autres derrière, ils ont pas à suivre. Au pire, les autres, ils ont pas à suivre derrière. Faut les retenir. Faut attendre que l'autre, il soit arrivé en haut avant de monter. Ah, ça, y a pas d'histoire. C'est, sinon, vous y arriverez pas. 2, 3. Mais putain, tu sais pas viser, trou de belle. 2, 3. Ouais, des compétitions. Fais gaffe, moi, j'ai des munitions. Hein. Et moi, j'ai la femelle. Oh, des ballots de paille! Oh, putain! Le pauvre cheval! Bon, attends, je lui donne parce que là. Oui. V 18h30, nickel, abbaye Thierry. Donc les chevaux ont tout ça de pâturage. Et nous, on va pouvoir les voir. Voilà, dans l'abbaye de Thierry. Donc nickel. Les filles vont être en haut et nous on est en bas. On a carrément une chambre cuisine salle. Il pleut. On a bah, tout a été transpercé, mais bon c'est pas grave. C'est mieux qu'hier. Et l'eau elle est chaude. Colline en train de goûter le bon fromage. Rajoute un peu de... de... Ça adoucira peut-être un peu. Quand j'en suis. AOP. AOP, c'est génial. Regardez bien. Regardez bien quand elle prend une bouffée. C'est délicieux. Vas-y, mange. Elle va mordre dedans. À la une. À la deux. Prends une bonne, une bonne respiration avant. Ouais, refais-nous les yeux rouges. Ça remonte, tu vois. Ça remonte dans le nez. Je crois que ça va rester dans ma bouche pour la vie, là. Je te dis, au moins, pendant le reste de la semaine, tu auras pas de bouche. Te... pour la fin de la semaine, te lave pas les dents, tu auras pas de mouche. C'est de l'eau. Facile. Elle a même plus les yeux rouges. C'est un t'en veux un peu? Non, ça va. Il y en a encore plein dans les, la pâture, mais bon, ils n'ont pas regardé. L'année dernière, elle avait pas filmé. Non, vas-y, vas-y. Je croyais que je filmais, puis j'ai pas filmé son entrée dans l'eau. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Ah, oh, bah, j'ai même pas vu. Elle doit pas être si grosse que ça. Elle est pas froide? Non, ça va.
ça va. Oui, je pense. On va refaire à croquiner. C'est pas croquiner, c'est à croquiner. On y est presque. Là, ça fait 92 minutes qu'on est sur un petit carré d'à peu près 2 cm sur 2 cm. Mais tout va bien. On va pas faire l'aller-retour, on va faire que l'aller parce que sinon on en a là jusqu'à. On va dormir 2 heures, je pense, si on fait ça. Alors là, tisane maison, graines des prés, menthe aquatique et des feuilles de reine des prés aussi. Reine des prés, bon, et menthe, voilà. Donc si demain on n'est pas réveillé, on saura pourquoi. Donc voilà, il est minuit. Donc on a une phobie des araignées. On a d'autres qui en train d'aller chercher. Les araignées font du truc. J'arrive pas à la fin. Mais elle chope la couleur. Sur le lit. Sur le lit. Voilà. Putain, on va réveiller tout le monde. Attends. Bravo. Ah, elle fonce vers ma tête. Elle l'a chopé comme never. Tu me la montres ou pas? Envoie-toi, petite araignée. Je rigole, c'est super. J'étais l'hyper du mal. Oui, parce qu'il s'est pas mis en route.
Ah, elle monte raide. Elle est très raide. Vas-y, suivante. Je sais pas, ils sont en train de faire aussi. Ah, elle va pas y arriver. Elle est question celle-là. Elles sont courtes mais raides. Vas-y! Lâche la bulle! Ah non, là, elles sont courtes, mais voilà. Ah ouais, elle a la poignée de la queue, c'est tout. Comme si elle allait faire un concours ici. Qui bat au rythme de la prairie. Un
Mais la selle, elle est pas droite. T'es plus sur la selle. Non, Ron, s'il te plaît, pousse pas. Gandalf. Sur l'église, les raviolis, et puis le côté archaïque de notre bivouac. Ça, ce sera le bivouac le plus archaïque voilà, que l'on connaisse. Archaïque derrière, tu mets juste arbre. Ah, bon, d'accord. Okay. Je ne savais pas. Donc voilà, bah, ce matin, traitement pour monsieur Oki, Moki, qui lui risque d'avoir son problème de photosensibilisation, donc Bibi Veto, comme d'habitude, va faire ses injections. Arrête de bouger ta tête, je te fais un terrain. On va de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est fait, traitement. Et voilà, 9h27, samedi 23 juillet. Nous sommes à cheval. Nous avons quitté notre autre, même si c'était un peu archaïque. Nous avons très bien dormi et ce fut super sympa. Au début, c'est sûr que tout le monde a bloqué un peu parce que normalement, le terrain devait être prêt déjà depuis 15 jours puisque j'avais appelé. Et tout a été nettoyé juste au moment où on est arrivé. Mais c'est pas grave, on a passé une bonne nuit, on a réussi, on a eu du confort. Voilà, on va pas se plaindre.
Notre Ron national est attaché mentalement. Voilà. Il est prêt à partir. Monsieur Momo me quitte pas. Voilà. Et monsieur Ron, monsieur Bly, je veux dire, est pris aussi. On met le bord, on y va. Bon ben voilà, on va aller grimper tout là-haut. On voit le chemin qu'on va devoir prendre. C'est pas mal, ça va être. Et oui, la Picardie, Somme, n'est pas si plate. Les prunes. C'est trop loin là, on va les choper. On en a trouvé trois. Un kilomètre à pied, les sabots, ensuite on a fait les fessiers et ensuite on a fait les dentiers. Voilà. Et on n'a pas encore trouvé la suite. Roulé. Ouais. Après on fait la brouette de deux foin puis ça on les laisse tranquilles. C'est bien. Là tu vas se rouler juste à côté du poteau. Bon rond est déjà tout blanc. Ouais. Bon, j'ai appuyé. T'as appuyé ? Ouais. T'as bien appuyé, hein ? Ouais, ouais. Ça, c'est un coup de toi.
Bon, allez. Tu t'accroches à l'anneau parce que ça va être dur. Avance. Oh, cette gaffe au truc par terre. Ah oui, bah lui il fait pareil parce qu'ils ne veulent pas rester sur place, ils sont chauds. Allez, hop. Allez. Séquence escalier. Là, tu peux pas te dégager, mon grand. Tu vas devoir le faire. Vas-y. Allez, vas-y, mon grand. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, mon grand. Vas-y. Vas-y, mon grand. Vas-y, c'est bien. Vas-y. Vas-y, c'est bien. Vas-y. Allez, mon grand, allez, vas-y, tu vas y arriver. Allez, vas-y, laisse pas passer ton père avant, on va pas y arriver sinon. Allez, vas-y. Regarde, l'escalier. Et là, on va voir, c'est bien, mon grand, c'est super. Vas-y, mon grand, tu y arrives bientôt. Allez, vas-y, on sera en haut de la falaise. T'inquiète, t'en as fait pire. C'est bien, mon grand. Allez, vas-y, 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 mon grand. Vas-y, mon grand. Vas-y. Mais arrête de te coller contre le truc. Putain. Voilà, c'est bien, mon grand. Voilà. On se pose. Toute la vallée de la Somme et là le vieux cimetière. Pratiquement abandonné. Je dis bien pratiquement parce que le nouveau cimetière est à l'autre bout. Et donc là, par contre, on ne traverse pas. Regardez, la Somme, elle est là-bas, tout au fond. Donc on a toute la vue sur la vallée de la Somme. Allez, vas-y.
Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y encore. Encore. Encore et à gauche. À gauche. À gauche. Yeah.
voilà, allez, les chevaux, retour en voiture et tranquille pour une semaine. Bon, Moki, lui, ne travaillera pas pendant plus de 3 semaines, le temps que son nez et sa photosensibilisation guérissent. Il doit être à peu près 20h. Donc voilà, Colline, elle va récupérer son train pour partir à Paris. Fini les aventures à cheval avec le crêpe. Retour à la civilisation, au monde moderne et à ce monde complètement fou. Je crois que le troupeau a entendu. Et bien, mademoiselle Dolly, bien sûr, restez en même tétine. Suivi de monsieur Rochise, Zandou, Bobby, imprévu. Je ne trouve pas Chico. Oui, ça va suivre. Allez, Ron, par la porte, s'il te plaît. Et voilà, heureux à 15. Ah oui, de toute façon, il n'y a que Rafale, je ne veux pas.